L'énergie emmagasinée dans un condensateur sous la tension de 6 volts est prévue pour allumer un flash. La puissance livrée pendant un laps de temps de 100 microsecondes de l'éclair est de 200 watts. Calcule la capacité du condensateur. Voici les données. La tension U est de 6 volts. Le temps T est de 100 microsecondes, c'est-à-dire de 100 fois 10 exposant moins 6 secondes, ou encore 10 exposant moins 4 secondes. La puissance P est de 200 watts. On demande ici la capacité C du condensateur, capacité que nous exprimons en farad. Partons de la formule P est égal à E sur T et de la formule E est égal à 1/2 Cu². Dans cette première formule, nous remplaçons le E par ce produit et ainsi nous obtenons que P est égal à Cu² sur 2T. De cette formule-là, nous déduisons que la capacité C que nous cherchons est égale à 2 fois T fois P sur le carré de U. Nous remplaçons le T par 10 exposant moins 4, le P par 200 et le U par 6, comme ceci. Et ça donne 1 sur 900, ce qui vaut à peu près 0,0011, c'est-à-dire que la capacité C du condensateur vaut à peu près 0,0011 farad ou encore 1100 microfarads.